Cette cérémonie d'inauguration du centre orthopédique des victimes des mines de Ziguinchor nous donne l'opportunité de manifester la solidité des relations et de coopération entre l'État du Sénégal et le gouvernement américain. Cette cérémonie est également l'occasion de manifester l'engagement de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, accompagner les populations de Cosmos dans leurs efforts de consolidation de la paix. À travers le projet Alawili 2, USAID vient de soutenir le gouvernement du Sénégal et les citoyens dans leur volonté de rendre effectif le disarmement et la réintégration des victimes des conflits. À cet effet, plus de 180 ex-combattants sont accompagnés. Environ plus de 50 000 personnes vont disposer et leur extrait de naissance et une enveloppe conséquente d'environ 600 millions vont financer des projets communautaires dans les villages. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la Committee Ad Hoc, CRS, Caritas, DPC, mais aussi le président de ISAD qui ont contribué à la réalisation de ce résultat. Au nom de l'USAID, je voudrais remercier l'administration territoriale, les mairies et la population de Cosmos qui ont accompagné ce projet. Nous voudrions également entendre nos remerciements aux autres partenaires de la Cosmos et de processus de paix. Nous voudrions particulièrement citer le CICR, HI, AGWS, HD, Swiss Habilité, parmi tant d'autres qui ont accompagné la construction et l'équipement de ce centre. Je voudrais terminer mon propos en réitérant la volonté de l'USAID d'être aux côtés des populations pour la promotion de la paix et le développement durable en Cosmos. Je vous souhaite bonne chance et plein de succès, tout en vous remerciant de votre attention. Merci.